1964. Le Congo, indépendant depuis peu, est plongé dans une guerre civile sanglante. Des rebelles, les Simba, ont conquis la moitié du pays en quelques mois et menacent la capitale. Le pouvoir central est, lui, divisé entre deux camps. D'un côté, le premier ministre Tshombe, leader de l'ancienne région sécessionniste du Katanga. De l'autre, le chef des armées, le jeune et ambitieux général Mobutu. Face au péril Simba, les deux rivaux parviennent à s'entendre pour faire appel à des soldats étrangers. Des mercenaires. Malgré leurs succès initiaux, l'épopée de ces hommes s'achèvera dans le sang quelques années plus tard. Un nom surnage encore pourtant dans nos mémoires. Bob Denard. Le combat est mal engagé. Je vous le cache pas. En face, ils sont combien? 5 fois? 10 fois? 20 fois plus que nous, peut-être plus encore. En outre, nous n'avons pas d'option de repli. Et aucune pitié à espérer de nos adversaires. L'alternative est donc simple. L'emporter ou mourir. Nous avons une carte à jouer, une seule. La défensive. Tenir assez longtemps pour créer un abcès, une situation de crise, et forcer les puissances étrangères à intervenir. Alors, tout redeviendra possible. Donc voici notre stratégie. On se retranche en ville, et on ne lâche pas une rue, pas une maison, pas un mur. Chaque heure passée est une victoire pour nous, une défaite pour eux. Le général Mobutu est un tyran. Nous avons l'occasion de le faire tomber. Depuis des années, on nous traite d'affreux, de pilleurs, d'assassins. Très bien! Aujourd'hui, si vous choisissez de vous battre, vous n'êtes plus des mercenaires. Vous redevenez des soldats! Vous connaissez vos positions. On sécurise le centre-ville, on établit des barrages. Mon colonel, un problème? Non, tout va bien. Monsieur Denard, mon commandant. Entrez. Bien respect, mon commandant. Bonjour, monsieur Denard. Je vous en prie. Je vous remercie de me recevoir. Oui.
Vous êtes sans doute au courant des démarches qu'entreprend le Premier ministre Tshombe afin d'engager des volontaires pour le Congo. En effet. Eh bien, j'ai été contacté dans ce cadre, ainsi que mes hommes, cela va sans dire, et j'envisage d'accepter la proposition. Vous m'envoyez ravi. Mais avant d'accepter officiellement, je voulais m'assurer que je ne contrecarrais en rien la politique africaine de la France. Vous avez des sympathies communistes, Denard? Pas précisément, non. Pourtant, votre père était communiste, non? Pas que je sache. Résistant FTP à partir de 42. C'était le seul réseau dans la région, il ne voulait pas rester les bras croisés. Ce livret militaire, c'est pas fameux, hein? Quartier maître deuxième classe au sein de la flottille amphibie d'Indochine Sud en 48. Mais en voie prématurée en métropole après la destruction d'un débit de poisson à Vinemont. Oui. Une histoire de gamin. Et donc, 53, Casablanca, entrée dans la police chérifienne, lutte antiterroriste, très bien. Mariage, et là, conversion au judaïsme. C'était pour épouser ma femme. Mon fils est baptisé. Effectivement. Et donc, votre premier engagement comme mercenaire remonte à 4 ans. C'est bien ça? Je préfère le terme de volontaire. 4 ans. Vous avez fait du chemin? Vous parvenez à vous faire engager au Congo par la sécession katangaise. Moïse Tshombe, déjà. Enfin, avant qu'il ne se rallie au pouvoir central. C'est intéressant, ça, le Congo. Enfin, l'uranium du Congo, on s'entend. Oui, mais c'est de la pagaille. Faut pas s'étonner non plus. Ils avaient une petite rébellion marxiste-léniniste, comme partout dans la région. Ils ont massacré des villages entiers, maintenant c'est la pagaille. C'est leur chef des armées. Un fou furieux, celui-là. Mobutu. Mobutu. C'est l'homme des Américains, un gamin. Ils misent tout sur lui en pensant garder la main dessus. Je suis pas sûr qu'ils aient choisi le bon cheval. On avait le colonel Traquier avant, là-bas, il veut pas repartir. Ah ouais, non, malheureusement, il fatigue. C'est dommage que Saint-Paul se soit fait tuer. Et l'autre, Malouin. Où est-ce? Ils ont traversé. Vous nous attendez quoi, bordel? On a plairé à mon colonel. Couvrez-moi. Thank you.
Bon, vous nous tiendrez au courant, alors? C'est-à-dire? Qu'est-ce que vous voulez que j'en sache? On verra bien. Merci. Merci beaucoup. Mon commandant. Dignité de l'homme noir. Des blancs qui luttent contre les Africains qui se conduisent comme des sauvages. Les Simba ne sont pas seulement des rebelles maoïstes. Ils massacrent les enfants à la machette. Ils violent les femmes avant de les éventrer. Ils dévorent le foie de leurs victimes. À Bouta, ils ont arrêté les fonctionnaires gouvernementaux. Ils leur ont coupé les pieds. Ensuite, ils leur ont ordonné de traverser la place du 30 juin en courant sur leurs moignons. Le vainqueur avait la vie sauve. Les autres étaient lynchés, dépecés. Monsieur, mes hommes ont risqué leur vie pour vous au Katanga. À leur retour, certains d'entre eux pouvaient même pas se payer un ticket de métro. Katanga indépendant, c'est du passé. Pour eux, Tshombe président du Katanga ou Tshombe premier ministre du Congo réunifié, c'est la même chose. Les dettes de l'un sont les dettes de l'autre. 1,2 million, c'est ça? Non, 2. Oui, 1,2 million. Non, monsieur le premier ministre, c'est 2 millions. C'est 2 millions que vous me devez. Tu portes l'uniforme congolais, lieutenant? Oui. Mais dedans, je reste katangais. Commandant, ça sera un honneur de combattre à nouveau avec vous. On dirait que c'est bien parti. Des francs suisses. C'est assez discret. C'est parfait, monsieur le premier ministre. Dites-moi, quelles sont vos relations avec le général Mobutu? Je voudrais pas me retrouver coincé entre deux feux. Je dirige le gouvernement, il dirige l'armée. Nous œuvrons de concert au redressement national. Faces. Yeah, bad news for General Mobutu. Yeah. Who's the girl? New face, too. Not the same kind, though. Merci bien.
camion écrasé une vache sur la route. Plus moyen de passer. Je savais même pas que vous deviez venir. Mobutu est bien informé. Hein? On ne croyait pas qu'il y aurait un comité d'accueil. Que l'animosité entre l'armée congolaise et les Katangais était rangée au placard? Oui. Pour combattre les Simba, oui. C'est bienvenu, frère Katangais, avec un gros sourire sur la bouche. Mais pour le reste... Tes brigands, tes femelles, ta marmaille et maintenant des mercenaires blancs. Ma caserne n'est pas une basse-cour. Mais ça, ce n'est pas la question. Tais-toi seulement. Tu n'as pas à me dire ce qui est la question ou ce qui n'est pas la question maintenant. Parce que vous avez été les chiens de garde des Belges, vous croyez autorisés à diriger le pays. Des chiens, c'est ce que vous avez été, c'est ce que vous serez toujours. Maintenant, vous avez trouvé de nouveaux blancs, de nouveaux maîtres, pour lécher la main et finir la racine. Vous vous croyez protéger, attention seulement. Le peuple est en colère. Mon colonel, le commandant Denard a une ordre de mission signée par le premier ministre en personne. Le peuple est en colère, est-ce que tu as bien entendu? C'est lui qui va te protéger? Bientôt le lion, il va bondir avec ses dents, avec ses griffes, il va te déchirer, te déchirer. Quand il en aura fini avec toi, tes restes, il va laisser ça aux vautours et aux mouches. Ainsi, le pays sera débarrassé de toi, débarrassé de vous. Tu entends? J'entends. Commandant, je vous présente le colonel Sango. Colonel, l'installation de mon bataillon pose un problème? Effectivement, ça pose un problème. J'ai déjà un troupeau de ralliés Katangais avec leurs femmes et leurs marmailles. Si je prends vos blancs en plus, il ne me restera plus de place pour mes soldats. C'est le premier ministre en personne qui a signé mon ordre de mission. Ah, le chef des armées, c'est le général Mobutu. Oui, je sais bien. Il doit venir la semaine prochaine pour inspecter mon unité. Moi, je n'ai pas les moyens de vous accueillir. Et après tout, vous êtes payé à prix d'or, non? Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous ne comprenez plus le français, commandant? Commandant. Il n'est pas question que je paie de ma poche pour installer mes hommes dans cette fausse merde. Vous m'entendez? Oui, commandant. Il y a une école fermée sur la route de Brio. Peut-être que ça sera plus simple de la réquisitionner. Les troupes sont prêtes, mon commandant. Des nouvelles de Mobutu? Pas pour l'instant, mon commandant. Vous les mettez au repos. Repos! Commandant Denard, premier bataillon de choc rassemblé. À vos ordres, mon général. Repos. Bonjour, commandant. Bonjour, mon général. Comment se déroule votre retour parmi nous? Très bien, mon général. Vous connaissez mon attachement pour l'Afrique et pour le Congo. Je sais. On m'a renseigné sur vous. Fini le Katanga. Nous sommes dans le même bateau, désormais. Affirmatif, mon général. Pourtant, j'entends dire que vous assaillez mon état-major de récrimination.
J'ai effectué des demandes au sujet de l'autonomie opérationnelle de mon bataillon, en effet. Mais elles ne sont motivées que par le souci de remplir au mieux la mission qui m'a été confiée. Face à une guérilla dispersée, mieux vaut une troupe aguerrie, ramassée et mobile. Au sein d'une unité plus lourde, je crois... Bien, bien. C'est ce qu'on va voir. Présentez ! Ah ! Soldats, vous venez d'Europe, d'Afrique et de régions congolaises autrefois sécessionnistes, mais vous avez fait le choix de vous rallier à l'armée nationale congolaise. Je vous en remercie. Malgré nos récentes victoires, une part forcément trop grande de la terre congolaise est encore aux mains des rebelles. Ils font régner la terreur. Ils assassinent les fonctionnaires gouvernementaux. Ils détiennent dans la jungle des dizaines d'otages européens. Votre tâche sera de libérer le territoire et de sauver ces otages afin de permettre au Congo de retrouver l'ordre et la prospérité. Ce faisant, vous contribuerez à la lutte mondiale qui oppose les défenseurs de la liberté à ceux de la tyrannie communiste. Je compte sur vous. Le Congo compte sur vous. Le monde libre compte sur vous. Laisse-moi. T'es encore debout, qu'est-ce que tu crois? Probablement la malaria, en général. À vos ordres, Bamboula! On va casser du nègre! Je vous présente mes excuses, mon général. On va casser du nègre! Je renvoie cet homme sur le champ. Je ne m'attendais pas à voir arriver la fine fleur de la Sorbonne. Elle n'est d'ailleurs pas ce dont le Congo a besoin. En ce qui concerne votre requête, c'est entendu. Vous avez carte blanche. Commencez par nettoyer la région de Bouta. Je vous jugerai sur vos résultats. Les commandants Charme et Oare font des merveilles, eux. Merci, mon général. Vous n'aurez pas à le regretter. Merci beaucoup. Bazooka. Mmh.
lieutenant, je suis là. Grenade. Merci, mon fils, merci. Vous serez dans mes prières jusqu'au dernier jour. C'est bon, ma mère, c'est fini. Maintenant, c'est fini. On peut remercier le Seigneur. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus. Bonne voluntatis. Je suis le commandant Denard, premier bataillon de choc de l'armée nationale congolaise. Vous êtes en sécurité. Approchez. Ils sont partis ce matin. Reste que nous. Allez. Et on s'occupe d'eux, on leur donne à manger et à boire.
falloir appeler le ravitaillement. Vous avez quelque part où aller? J'ai une tante à Kisangani. Mon bataillon est stationné là-bas. Passez me voir à l'occasion. Le commandant des rebelles voulait m'épouser. Pardon? Le commandant des rebelles voulait m'épouser, c'est pour ça que je suis encore en vie. Il avait bon goût. Ça va aller. Commandant? Oui. La colonne rebelle a été repérée sur la piste de Yumbi. Yumbi? On les bloquant à 5 heures. Je vais les cueillir avant qu'ils tombent sur Shram. On n'attend pas l'essence? Appelez l'hélico, juste pour les munitions. Viens, mon commandant. Vous chargera au retour. Ce soir, vous serez chez votre tante. Vous avez vu du monde? Non.
Des corps ? Non plus. C'est encore chaud. Personne ne tire ! Personne ne tire ! Personne ne tire ! Personne ne tire ! C'est les hommes de Schramm. Ils sont pas censés être de notre côté ? Qu'est-ce que vous faites sur mes terres ? Vous voulez me faire croire que vous n'êtes pas au courant ? De quoi ? Le putsch à Kinshasa. On était en brousse. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mobutu a pris le pouvoir. Tshombe est à nouveau en exil. Mobutu. Les intrigues de palais à Kinshasa, plus je suis loin, mieux je me porte. Désolé. Je croyais que c'était Mobutu qui vous envoyait. Je suis pas dans ces petits papiers. Je sais pas si j'y suis moi-même. J'imagine que je serai fixé d'ici peu. Si dans 2 heures je suis pas de retour, t'appelles l'ambassade de France et tu demandes à parler à l'ambassadeur, Kosciusko Moïse. Thank you, Mr. President. I'm sure you won't regret this choice. Well, if I do, I have you shot. You make sure you do that. Okay, see you later. Welcome. Mr. Bob. Monsieur le Président. Vous préférez commandant d'Anna, j'en suis sûr. Les Français sont très attachés au titre, hein? Un peu vieux jeu. Je suis un Français moderne. Ah, tant mieux. Kinshasa est la ville la plus moderne d'Afrique, vous verrez. Je change d'affectation. Vous méritez une promotion. Je vous nomme conseiller pour la sécurité. L'ANC va prendre le relais qui s'en gagne. Et mes hommes ? Le monde ne manque pas de champ de bataille. Si vous souhaitez vous passer de nos services, vous n'êtes pas obligé de m'envoyer dans un placard doré à Kinshasa. Dans votre métier, on est sujet au changement de règne. Quel changement de règne ? Je travaille pour vous depuis mon arrivée dans le pays. Pour moi et pour d'autres. Vous m'avez dit que vous me jugeriez sur mes résultats. Non ? Très bien. J'ai passé des semaines en brousse. Libéré des districts entiers, des dizaines d'otages, au prix de la vie de mes hommes. Ce qui compte assez peu, j'en conviens. Maintenant, vous voulez me congédier pour faire plaisir à vos amis américains ? Quand bien vous fasse. Monsieur le Président. Mais ne partez pas comme ça, mon ami. Revenez. Mais restez ici ! Venez, on va boire un verre, vous voulez ? Je ne bois pas. Ah, oui, c'est vrai. On m'a dit que du champagne, parfois. Ne fumez pas non plus, vous mangez peu, mais vous baisez beaucoup. C'est bien ça ? Ça détend les nerfs. Donnez-moi des arguments pour vous garder. Je suis pas contre, mais je manque d'arguments, vous voyez. Vous êtes français, mercenaire, blanc. Je suis officier dans l'armée nationale congolaise. Donnez-moi le régiment auquel est affecté mon bataillon. Il est désorganisé, déprimé. Son aptitude au combat est médiocre.
Laissez-moi vous montrer ce que je peux en faire. Et vous voulez que je vous donne la machette pour me faire trancher la gorge par Paris? Tant que je suis là, vous avez l'assurance que je ne suis pas au Centrafrique à préparer un coup d'État avec vos opposants? Mec Tchombé. Et ces Katangais. Je suis sûr qu'ils sont déjà en train d'affûter leurs couteaux. Tchombé ou un autre, vous ne manquez pas d'ennemis. Je ferais peut-être mieux de vous éliminer, ici, tout de suite. Si vous faites ça, il faut être sûr que vous n'aurez plus jamais besoin de volontaires étrangers. Je vous vois mal à Paris, en cercle militaire, avec tous ces gens du Quai d'Orsay. Vous n'êtes pas comme eux, vous ne leur ressemblez pas. Vous êtes comme moi. Un homme simple, qui taille sa route grâce à ses mérites. Si j'étais certain de pouvoir vous faire confiance, vous seriez précisément l'homme dont j'ai besoin. Est-ce que je pourrais vous faire confiance? Vous m'avez fait confiance pour les Simba, je ne vous ai pas déçu. Ne me décevez pas, colonel. Je ne suis que commandant. Plus maintenant. Merci, monsieur le président. Merci beaucoup. Bougez les jambes. Sortez là. Et là. Effectivement, la balle n'est pas entrée, mais vous avez un début de paralysie et sans doute une hémorragie interne. Il faut vous hospitaliser. Les hommes ont besoin de moi. Je voudrais pas les pieds dans votre hôpital. Bah tant mieux. Ça fera plus de place pour les victimes de vos exactions. Je me bats pour l'avenir de ce pays. De toute façon, j'ai pas de quoi l'opérer ici. Il faut l'évacuer vers Kinshasa. Sinon l'Ouganda ou la Rhodésie. Sans ça, je lui donne pas deux jours. Monsieur, dame. Aidez-moi! Aidez-moi! Amène-moi des jeeps. Là, on marche encore. On va faire le tour des postes. Allez, nom de Dieu! Je ne les laisse pas tomber. Bon, d'accord. Je vais me changer. Vous m'attendez? C'est tout? Vous risquez votre vie et celle des autres seulement pour le goût du risque? Alors, au fond, vous tuez les gens pour le plaisir. Un peu pour l'argent aussi, non? Participe à l'histoire de ce pays. Que je réussisse ou pas, ça fait une différence. Napoléon au Congo. Moquez-vous. Il reste encore quelques poches rebelles, mais pour l'essentiel, mon travail de soldat est terminé. Le grand monde a tué. Alors à quoi je passe mes journées? Je remets en marche une région grande comme la France à moi tout seul. Les routes, les plantations de coton, de caoutchouc, de... S'il vous plaît, voulez-vous danser avec moi? Bye.
Ça, c'est ma parcelle. Et ma voisine, cette parcelle, c'est pour mon voisin. Deux minutes, tu vas vous donner. Il a planté les cannes à sucre de ma parcelle. Je suis venu réclamer la propriété. Ça. Bonsoir. Nous sommes invités à dîner chez Monsieur le Président. Merci. Dans l'ascenseur, qui je vois ? Vandenbroek, lui-même. Il a dû me serrer la main. L'expression sur son visage était la terreur. La terreur. Colonel, merci d'être venu jusqu'à moi. Je suis très touché. Très touché. Tout l'honneur est pour moi, monsieur le président. Le colonel est arrivé chez nous comme mercenaire, mais c'est certainement le soldat le plus loyal de tous l'ANC. Mais qui voilà ? On n'avait dit pas de cadeau. C'est ma femme. Marie-Élise. Bonjour, monsieur le président. Mais quelle meilleure preuve de votre amour pour le Congo. Je m'emballe à sol. Hein. L'un des moi aussi. Il y a qu'à Nathalie, c'est au bon moment. Prenez place. Tellement. Messieurs. Vous ferez une exception ce soir ou est-ce qu'il faut vous faire venir un verre de lait? Non, ça ira, monsieur le président. Une coupe. Donc, Vandenbroek. Non, je fais comme si je n'étais pas au courant de ces manigances. On va vous fumer à l'autre extrémité. D'évasion? Non. Tu es de la famille maintenant, tu danses avec Marie-Antoinette. Viens, toi tu dois danser avec moi. He's a very talented young man. You know that he sleeps with all these chaps' wives. No exceptions. Learns a great deal from pillow talk. Sort of tribal African way of asserting his authority. Works pretty well, don't you think? Pretty effective.
Merci beaucoup pour votre invitation, monsieur le président. Mais nous devons rentrer dès ce soir à Kisangani. L'inauguration d'une nouvelle voie ferrée. Ça ne va pas vous amuser. Toi, quelque chose me dit que tu ne dois pas rigoler tous les soirs. Allez, viens. La soirée ne fait que commencer. Vous avez sans doute raison, monsieur le président. Permettez-moi d'insister. Il faudra bien que vous soyez mon ami ou mon ennemi. Hein? Monsieur Denard. Vous pouvez baisser votre arme. Qu'est-ce que vous faites là? Si on vous demande, je suis Gaston Conti, diamanteur helvétique atterri hier à Kinshasa pour affaires et qui repartira à Zurich dès demain. Bon ben, entrez. Vous n'êtes pas seul, on dirait. Je préfère qu'on reste au frais. Vous voulez bien? Il paraît que vous avez pris du grade, colonel. Félicitations. Je m'en rends utile. Ça tombe bien. Moïse Tshombe est de nouveau en exil, mais ça n'a pas vocation à durer. Le temps venu, il pourra compter sur ses Katangais. Mais on lui a promis que vous seriez aussi de la partie. Les choses se détendent ici. Le pays respire. Tout le monde en profite. Surtout les amis de Mobutu. Si Tshombe revient, il arrosera les amis de Tshombe. Une clique pour une autre. Qu'est-ce que ça change? La clique de Mobutu, c'est la CIA. Ils veulent faire du pays leur tête de pont en Afrique équatoriale. C'est pas comme si c'était les Russes. Paris ne l'entend pas de cette oreille. Tshombe, c'est la légalité. La démocratie. La démocratie. L'ordre, c'est déjà bien. Vous n'êtes pas démocrate, Denard. Et vous? Vous croyez vraiment pouvoir vous payer le luxe d'être contre nous? Mobutu vous a laissé fonder votre petit protectorat tropical. Et vous croyez que ça va durer? Vous croyez qu'il vous laissera grandir d'un centimètre de plus que ce qu'il faut pour que votre ombre lui arrive à la cheville? Alors voilà le message. Paris soutient Tshombe et ses Katangais. Denard soutient Tshombe et ses Katangais. Cultivez de bonnes relations avec Mobutu, mais n'oubliez pas pour le compte de qui vous êtes là. Chez nous, vous n'êtes peut-être que quartier maître deuxième classe, et ça vaut mieux que les médailles en chocolat de Mobutu. Voyez-moi.
Tu vas rester ici. Et t'enfermer. Si quelqu'un essaye de rentrer, tu t'en sers. Comme je t'ai montré. C'est le Katangais. Ça tire du côté de l'aéroport et de la caserne de l'ANC. Et Ngunia, et Biaro, impossible de les joindre. On fait quoi? Tu rassembles les gars. On tient les entrées de la ville et on bouge pas. Soutiens pas les copains? J'ai dit on bouge pas. On leur tire dessus? J'ai dit on bouge pas. Vous le triplez. Faut pas traîner. Allez, 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 allez! Poste en ville, ça se passe bien? Ça va. On est un peu dispersé quand même. Personne ne tire sans mon commandement. J'ai besoin de vous, mon colonel. Vous êtes en train de faire une énorme connerie. Repliez-vous tant que c'est encore jouable. Vous soutenez Mobutu? Je vous sauve la vie. On est à bout, mon colonel. Mobutu nous a fait revenir ici pour les débarrasser de Simba. Mais on nous méprise. On ne donne pas de soldes, pas d'armes, pas d'uniformes. Comment, hein? Comment est-ce qu'un soldat peut vivre comme ça? Regardez-moi dans les yeux. Dites-moi qu'il ne s'agit pas d'une rébellion au profit de Tshombe pour renverser Mobutu. Colonel, Tshombe, c'est votre ami. C'est lui qui vous a engagé. Tshombe, c'est l'ami de personne. Pas plus de moi que de vous. Il vous lance dans la bataille. Si ça marche, tant mieux. Si vous vous faites tous fumer, tant pis. Vous n'avez rien pour vous. Ni le terrain, ni le nombre. Ni l'armement. Même si je m'allie à vous, avec mes 120 blancs, ça changera quoi? Vous n'avez aucune chance. Vous voyez pas? Vous voyez pas? Alors je vous le redis, négociez. Déposez les armes. Le pays est en guerre depuis 6 ans, ça suffit. Allez convaincre vos supérieurs. Je vois ce que je peux faire avec Mobutu. Se voir dans un instant. Qu'est-ce que vous faites ici, colonel? Vous devriez être à Kisangani en train de mater la mutinerie. Je sais, monsieur. Qu'est-ce que j'apprends? Vous avez eu la possibilité d'arrêter une colonne de Katangais là-bas, hier. Vous n'avez même pas ouvert le feu. J'ai pris l'initiative de... Tu as pris l'initiative? Espèce de connard de français! Permettez-moi, je monsieur... Je vais envoyer ta tête à De Gaulle par la valise diplomatique. Ça va lui apprendre, ce vieux schnock à se foutre de ma gueule. Permettez-moi au moins de vous exposer mon point de vue. Si mes arguments ne vous convainquent pas, vous aurez tout loisir de me faire exécuter ensuite. Depuis l'indépendance, 6 ans, c'est la deuxième fois que les Katangais sont pris au pouvoir. Il faut les mater, une fois pour toutes. Vous avez raison. Vous avez un problème avec les Katangais. Ils constituent une armée dans l'armée. Mais si vous voulez résoudre le problème aujourd'hui, vous n'avez que des solutions de force.
Vous en sortirez vainqueur, mais à quel prix? L'ordre, c'est un prix, le désordre, c'est un coût. En revanche, si vous lâchez du lest, le temps devient votre allié. En quelques mois, vous pouvez fractionner les unités katangaises, les dissoudre au sein de votre armée. Ce sont de bons soldats. Leur expérience bénéficiera à tous. Ou bien elle gangrènera l'armée tout entière. Le seul moyen de résoudre le problème katangais, c'est d'éliminer les katangais. Chez les bantous, se dresser contre le chef, c'est impardonnable. Après les katangais, à qui le tour? Aux bandits? Aux tutsis? Aux bangalas? Si vous pratiquez une politique tribale, vous mettez le pays à feu et à sang. À l'inverse, vous pouvez décider de vous placer au-dessus des tribus, devenir le président du pays tout entier. Alors, vous ramènerez l'ordre, la prospérité, et alors avec son peuple et ses richesses, le Congo deviendra le plus grand pays d'Afrique. Pourquoi pas? Qu'ils viennent me voir. On va discuter. On va chercher une solution de compromis. Mais si cela n'aboutit pas, je veux votre parole, colonel. Vous mettrez tout en œuvre, je dis bien tout, pour en finir avec le problème katangais. Vous avez ma parole. Merci de votre visite, colonel. Au revoir, monsieur le président. Vous n'aurez pas à regretter la sagesse dont vous faites preuve. Mr. President, what are you doing? The events at Kisangani are a unique opportunity to get rid of the Katangese challenge to your authority. I have just appointed him to a new office. He does not know yet. You have? Yes. Executioner. Y a quelqu'un? Marie-Élise? C'est pourquoi j'ai décidé de faire preuve d'indulgence. Le Congo tout entier tend donc sa main aux mutins katangais. Et c'est dans un esprit fraternel qu'il leur propose de s'asseoir à la table des négociations. Ensemble, construisons le Congo de tous, construisons le Congo de demain. Mon homme dirige le Congo en sous-main. Je crois ce que je vois. Et personne ne les a vus partir. Mes hommes étaient en manœuvre. Le convoi a été vu sur la route du Katanga vers Biaro. Bien sûr. Sur la route du Katanga, avec armes et bagages. Il serait peut-être opportun d'essayer de les joindre. Afin de connaître leurs intentions. J'ai tort de vous écouter. Vous me faites passer pour un faible. Monsieur le Président, je crois que personne ne pense là, que vous... Vous m'avez donné votre parole. J'espère que vous vous y tiendrez. Arrêtez cette colonne. Décapitez-la, je ne veux plus un officier katangais vivant.
Mon colonel, il se cachait dans la forêt. Et les officiers, où sont les officiers? On avait une voiture, hein, partir par là. Vous attendez quoi pour les rattraper? Prenez une section, suivez-moi. Pourriez vous sécuriser. Bien, mon colonel. Messieurs, veuillez me remettre vos armes. Vous êtes un homme sans parole. J'honore ma parole. C'est vous qui ne respectez pas la vôtre. Fallait rester à Kisangani jusqu'à la fin des négociations. C'est Mobutu qui nous a dit de rentrer au pays. Je suis bien placé pour savoir que c'est faux. Tu es devenu la marionnette de Mobutu. Tu penses qu'il va te récompenser? Tu es en train de creuser ta propre tombe, colonel. Venez sans faire d'histoire. Vous êtes mes prisonniers, je garantis votre sécurité. Tu ne peux garantir la sécurité de personne. Si on te suit, on est mort. Bon, messieurs, vos armes, je ne le répéterai pas. Tu vas nous faire tirer dessus. Si nécessaire. Non. Je ne crois pas. Je ne crois pas que tes hommes t'obéiront. Tu es tout seul, colonel. Laisse-nous nous enfuir et tue-le, lui. Tu pourras dire qu'on s'est défendu. Soyez pas idiot. Vous croyez que le président va croire une histoire pareille? Si vous faites ça, colonel, vous n'avez plus votre place au Congo, ni vous ni vos hommes. Pourquoi pas? Rentrez avec nous au Katanga, colonel. Aide-nous à en finir avec Mobutu. Vous avez prêté serment, colonel. Vous êtes un officier congolais maintenant. Serment à qui? Serment à qui? Un tueur! Un voleur! Mobutu, c'est un criminel, colonel. Tu te bats avec nous depuis des années. Je te prie. Je te prie. Écoute ton cœur. Ne fais pas ce que tu crois devoir faire. Bon, bon, c'est fini les foutaises maintenant. Abattez-le! Abattez-le comme un chien! C'est un ordre, colonel! Uniwawe Kamokunaro! Au camion. En route. Mon frère. À la radio, j'ai dit tout le bien que je pensais de toi. Tu as entendu? Finalement, tu as sauvé ta tête. Malheureusement, je vais encore vous contraindre, monsieur le président. Je vous demande la grâce des Katangais qui sont rendus à mes hommes. Impossible. Il faut fixer le tarif. Sinon, ils vont tous tenter leur chance. J'ai déjà eu vent d'un nouveau complot. Kirillis. Plan d'invasion cuisiné par Tshombe et des fascistes belges. Les Katangais sont encore dans le coup, évidemment. Les Katangais savaient très bien ce qui est risqué, ça ne les a pas empêchés de se mutiner. Montrez-vous magnanime, vous inspirez le respect. Tendre l'autre joue. Non, non. Jésus n'était pas bantou. Alors? Je vais être nommé général. C'est ta mère, je suis désolée.
Bonjour, colonel. Le président Tshombe m'a chargé de vous transmettre ses condoléances. Vous le remercierez pour moi. Colonel, le président Tshombe me fait également dire qu'il serait tout disposé à vous rencontrer, si vous le souhaitiez. L'avenir du Congo ne se fera pas sans vous. Il paraît que vous avez refusé de rencontrer Tshombe. Et que vous passez votre temps à l'ambassade du Congo. C'est vous qui me faites suivre. Oh non, pas assez de crédit. Système D. Tshombe, avec sa cour, ses conseillers, ont envoyé un communiqué à Kinshasa. Alors oui, je me montre Cour Albert Ier. Pourtant, Tshombe, j'aurais des choses à lui dire. Comme quoi? Il est riche à millions, qui se contente de faire fructifier sa fortune, qu'il oublie le Congo pour un moment. On croirait entendre votre ami Mobutu. Le président est l'homme des Américains aujourd'hui. Il n'a peut-être pas vocation à en rester pour toujours. Vous vous lancez dans le grand jeu? Il m'a chargé de fonder une nouvelle brigade au sein de l'ANC. J'ai sa confiance. Avec le temps, je pourrais lui faire voir que son intérêt est de se rapprocher de la France. Sauf si la France continue de soutenir des aventures comme celle des Katangais, évidemment. Si vous vous étiez joint à eux, leur initiative aurait peut-être eu un avenir. J'étais acculé. Ils ont rompu les négociations. J'ai sauvé la vie de mes hommes. Ah oui. Oui, on m'avait dit que vous croyiez à ce bobard. Leur unité devait être dissoute au sein de l'ANC. Ils ont préféré relancer la sécession. Ce que je sais par nos amis américains, c'est que c'est Mobutu qui leur a ordonné de se retirer. Une sorte de paix des braves. Enfin, en ce qui les concerne, la paix des cimetières. Avec vous dans le rôle du fossoyeur. J'ai obtenu la grâce de ceux qui s'étaient rendus. Si Mobutu avait fait un coup pareil, il aurait laissé aucun témoin derrière lui. En ce qui concerne les autres, les sans-grades, on m'a rapporté que votre ami Mobutu a une idée pittoresque. Il les économise, ces Katangais. Il les savoure. Vous avez cru pouvoir tirer votre épingle du jeu, vous vous êtes fait manipuler. Je vous avais prévenu. Kérilis, ça vous dit quelque chose? Une rumeur de coup d'état parmi tant d'autres. Chacun y trouve son compte. Tshombe pour déstabiliser Mobutu, les Américains pour se rendre indispensables auprès de Mobutu, Mobutu lui-même pour souder son camp autour de lui. Celle-ci est tout ce qu'il y a de sérieux, tout le monde s'y met. Les soutiens belges de Tshombe, les services secrets portugais, les Sud-Africains, infiltration par le Soudan et l'Angola, parachutage sur Kinshasa. Votre ami Shram serait à la manœuvre. Qu'est-ce que vous me proposez exactement? Participer à l'affaire. Assurer la place de la France dans le Congo de Tshombe. Déposer Mobutu. Mishram, c'est un colon déguisé en militaire. Je suis pas sûr que ce soit l'homme de la situation. Il y a raison de plus pour lui apporter votre aide. Et si Mobutu s'avérait plus réactif que prévu, je pourrais compter sur du soutien. Mais... vous êtes la France, colonel.
m'avais prévenu, Denard. Hein? Fallait pas me décevoir. En quoi je vous ai déçu, monsieur le président? En quoi? Espèce de petite pute. Tu allais prendre les ordres, cette chambée. Demandez à vos informateurs de faire leur travail jusqu'au bout. Il a essayé de m'approcher, mais j'ai refusé de le rencontrer. Dis-moi ce qu'il t'a dit. Guérilis, je veux tout savoir. Où, quand, comment? Je l'ai pas vu. J'en sais pas plus que vous. Tu me dis encore une seule fois, non, tu es mort. Alors oui, vous direz tout ce que vous voudrez. Mais rien de vrai. Parce que je sais rien. Bon. Ça fera toujours un blanc de moi en Congo. Anjou. Kérilis. Où, quand, comment? Fais un effort. Tu as déjeuné avec lui au Georges V. C'était le 2. Le 2. Le 2. J'étais à l'ambassade. Téléphonez, ils vous confirmeront. On vous a dit ça pour me discréditer. Demandez à Potété, le colonel Malila. J'ai déjeuné avec eux. Mensonge. Mensonge. Mensonge, 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 mensonge! Vérifiez! Hey! Monsieur le Président! Vérifiez! Chance. Le colonel Malila est de l'Issala comme moi. Il a toute ma confiance. Ce serait trop vous demander de savoir qui a failli avoir ma peau. L'essentiel, c'est que tu me défendes contre ceux qui veulent la mienne. Kérilis n'est pas une légende. Je sais que Cham en est. Ce petit curé se prépare à me tirer dans le dos. Je veux que tu me débarrasses de lui. Désarme son unité. Ça risque d'être compliqué. Je veux ses couilles pour les faire manger à mon chien. Est-ce que c'est clair? Très clair, monsieur le président. Je compte sur toi. Au revoir, colonel. Il paraît que notre bien-aimé président va vous élever au grade de général. On en dit quoi à Paris ? À Paris, on dit que vous avez des projets. Vous voulez parler de la remise en marche de la mine d'étain à Manonou? C'est vrai, j'en suis assez fier. Je ne m'en cache pas. La question qu'on se pose, c'est de savoir si vous avez vraiment les moyens de vos ambitions. Pourquoi? Vous êtes intéressé? Qu'est-ce que vous amenez dans la panière de la mariée? Moi aussi, j'ai des amis. À Paris? Par exemple. Et vos galons de général? Je préférerais les obtenir de la main d'un président que je respecte. Vous avez combien de blancs qui sont gagnés? À peine 150. Les autres sont dispersés dans des postes en brousse. Si je les rapatrie, ça va éveiller les soupçons. Tant pis, ils prendront le train en route. Le premier jour, la colonne du capitaine Noël prend Bukavu.
Le lieutenant Michel fait tomber les défenses de Kindu et tient le centre-ville. Pendant ce temps-là, 1800 hommes font l'injonction avec vos 150 Gusaki Sangani et on liquide la garnison de l'ANC. En cas de déconvenue, l'Afrique du Sud, la Rhodésie, l'Angola ont promis à Tshombe d'intervenir en cas de besoin. Et la France? Ils seront là. Vous craignez pas une réaction des Américains? Les Américains ont assez de problèmes avec le Vietnam. Tout ce qu'il faut, c'est lancer la machine, prendre l'initiative. Le régime de Mobutu est un château de cartes. Sans nous, il est seul. Très bien. Pour quand? Début juillet. Le 15 août, au plus tard, on ramène Tshombe de Madrid. John from Brussels? Yes, I'm John from Brussels. Come in. You would like something to drink? Whiskey? Coca? No, thank you. We'd like to get this over with quickly. Good. Me too. This goes around your ankle. You know how to use it? Sure. Nobody moves. Nobody gets hurt. It's a small caliber weapon in case you need to use it on the plane. Although I think it's... Still, I would recommend that you act immediately after takeoff. You don't want the cabin pressurized at that point. Okay. Are you sure you want to go through with this? Sure. You can tell Washington and President Mobutu that Tshombe is history. Where is the money? It's been transferred to this account. Colonel, vous avez entendu à la radio? Non, quoi? Tshombe est en prison à Alger. Son avion a été détourné. Par qui? Ils disent pas. Vous venez avec moi. Bonne route. Faut tout annuler. Pas question. Des nègres pour remplacer Mobutu, il y en a plein la brousse. Parce que vous croyez qu'on va nous suivre sans Tshombe? Avec le débarquement de Mobutu, vous n'avez plus le choix. Quel débarquement? C'est tombé juste avant mon départ. Il débarque en personne à Kisangani pour inaugurer la nouvelle brigade fluviale. Et pour ça, il amène l'intégralité de son régiment de parachutistes. Si vous croyez à ce bobard, vous pouvez toujours l'attendre avec un bouquet de fleurs. Vous croyez que c'était moi le prochain sur la liste? Eh ben, c'est vous. Bon, on perd l'avantage du nombre. Il faut conserver l'initiative. Ça veut dire attaquer avant son arrivée. Après-demain ou plus tard, pour vous c'est possible? Si c'est possible, bien sûr c'est possible. Rendez-vous après-demain à 6h à Kisangani. On va les faire détaler cul nu dans la brousse. Ce que je veux, c'est voir Mobutu détaler cul nu dans la brousse.
Restez ici, je reviens. François, Kisongo avec moi. Qui est où ? Un accrochage. Et les autres ? Retardés aussi. Mais jusqu'à quand ? C'est pas la question. Maintenant que Mobutu est au courant, il faut attaquer avant qu'il ait le temps de réagir. Quoi ? Avec ça ? Vous préférez attendre qu'il vienne vous trancher la gorge ? Je peux tenir mes positions. Épargner mes hommes. On trouvera une solution ensuite. Comme en Algérie ! L'armée française se débine en laissant tout le monde derrière elle. Écoutez-moi bien. Ici, c'est ma terre. Tout ce qui s'y trouve, je l'ai construit avec mes mains. Et je me laisserai pas déposséder par un putain de roi nègre, un putain de singe, descendu de son putain d'arbre. Dites-moi, vos renforts en Rhodésie, en Angola, ils sont bien réels ? Vous les avez rêvés comme votre Afrique blanche ? Dégagez ! Commencez sans nous. C'est Shram. Rassemble les hommes, je vais leur parler. Rassemblement ! Allez, allez ! Le colonel va vous parler, plus vite que ça ! Le combat est mal engagé, je vous le cache pas. En face, ils sont combien ? 5 fois ? 10 fois ? 20 fois plus que nous, peut-être plus encore. Nous, nous n'avons pas d'option de repli. Aucune pitié à espérer nous agresser. Je tiens à l'équilibre simple. L'emporter ou mourir. Forcer les puissances étrangères à intervenir. Alors, tout redeviendra possible. Donc voilà notre stratégie. On se retranche en ville. On ne lâche rien. Pas une rue, pas une maison, pas un mur. Chaque heure passée est une victoire pour nous, une défaite pour eux. Le général Mobutu est un tyran. Nous avons l'occasion de le faire tomber. Depuis des années, on nous traite d'affreux,
de pilleurs, d'assassins, très bien. Alors aujourd'hui, si vous décidez de vous battre, vous n'êtes plus des mercenaires, vous redevenez des soldats. Allez, allez, allez! Tous à bord de vos véhicules! On sécurise le centre-ville! On établit les barrages! Colonel. L'avion qui évacua Bob Denard de Kisangani erra pendant plusieurs heures dans le ciel d'Afrique. Il fut finalement autorisé à atterrir en Rhodésie. Denard y fut opéré et sauvé. Mais après quelques semaines, contre l'avis de ses médecins et des autorités rhodésiennes, il abrégea sa rééducation afin d'aller porter secours à ses hommes demeurés au Congo et retranchés avec le major Schramm dans la place forte de Bukavu. Entreprise malgré des moyens dérisoires, cette expédition se solda par un échec. Bob Denard poursuivit sa carrière et connut de nombreux autres champs de bataille, parfois glorieux, toujours controversés. Pendant 30 ans encore, il fut le bras armé officieux de Paris en Afrique. Mais on ne le convia jamais à parader sur les Champs-Élysées.